nous sommes venus aujourd'hui pour un concept dont tu es à l'origine. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ce concept? Explique-nous un peu le concept. Comment t'es venu cette idée? Eh bien, c'est une continuité par rapport à ce que j'ai commencé, quoi, en fin de compte. Et puis, de toute façon, mon objectif aujourd'hui, c'est de primer le live. Donc c'est pour ça que bon, on essaie de faire le maximum pour venir à ce chemin, quoi, en fin de compte. C'est bon, le live, moi, c'est mon sphère aujourd'hui. Donc effectivement, ça, bon, pas tout le monde équipé, mais bon, dès qu'on peut le faire, moi j'estime qu'il faut le faire, quoi. Là, il faut chanter, on sait chanter, il y a des musicos qui savent jouer. Donc pourquoi pas s'exprimer, quoi. Mais comment t'es venu cette idée? Mais ça fait longtemps, mais bon, tu sais, une délai ou pas précipiter, à toi, il faut trouver déjà les musiciens, le moment aussi, et pour faire, quoi. Et puis après, le public, quoi, parce que les plans ne sont pas contents de l'aussi, et c'est Yoki qui va nous pulsion là, quoi, pour nous continuer, quoi. J'ai vu l'homme du public, hein. C'est quand même pas fait dans, quand même pas fait quelques temps qu'il va avoir scène ou autant album, ni quelques années de ça, un an ou deux ans. Oui, deux ans. Deux ans. Mais moi, ça veut dire que moi j'estime qu'aujourd'hui ma force c'est ne pas être toujours présent, ça doit essayer de faire des trucs, mais parce que moi, ça prend là, hein, mais toujours faut essayer de faire des bêtises concrètes. Bon, bientôt je serai sur un concept, on va pas dévoiler tout le temps là, mais on a quelque chose. Donc l'été prochain, que les créations, pas de problème, mais c'est à Québec. Sur l'Hexagone? Sur l'Hexagone, oui, sur l'Hexagone, notre meilleur tour, nous qui là. On va remercier vous, Frédéric. Pas de problème, c'est moi qui remercie. Oh, et merci parce que le professeur travail formidable, s'il n'y a pas vous, nous ne savons pas, ne pas exister. Entre autres. Voilà. Merci, Frédéric. Oh, mais bonjour. À bientôt. C'est là, on fait ce mal, on va finir de la finale. On va faire bien, on non, c'est bien, nous. Voilà. Donc, vous dites, Gustin. Alors, vous avez fait des à l'origine des concepts là, ça. En fait, nous à l'origine, c'est beaucoup dire, c'est-à-dire que après tout ça, l'année musique, ni débuté qui a fait tout naturellement. Pas vous autres autre question, pourquoi c'est que ça fait. Mais c'est surtout suite à on nous demande, on nous nostalgie, on nous dit qui j'ai fait et qui a continué à faire. Quel concept là, c'est un lieu où j'ai fait tout naturellement aussi. Bon, voilà, c'est ça. En fait, son seul source qui mène, qui fait que Big Avin conseil aujourd'hui, je me vois que ça se m'arrive. Voilà. Est-ce que je suis fait à l'évagal les années 80? Puisque même au niveau national, tout le monde allait là, c'est les années 80. Les années 80, 90, voilà. C'est ça qui est revenu tout le temps. Et même voir 70 aussi. Voilà. Donc je suis fait à l'évagal là, ça. Moi, si tu veux, moi, pas qu'à dire que la plus belle année, moi-même, c'est les années 80 même. Parce que nous étions jeunes, nous étions fougueux au moins. Non. Donc, pour l'inspiration, c'est là tout le monde est capable de composer. À présent, bon, la musique est très commerciale. Bon, avec des petits butins, des petits paroles, des petits phrases, ou enfin un morceau. Donc, avant, nous étions capable de ciser. Qui fait que nous, à présent, quand Révin, si tu veux, c'est ça qui. Fondamental. Bon, ça veut pas dire qu'il faut faire un retour en arrière complètement, parce que la vie va continuer. Hein. Le monde évolue et tout ça. Mais ça qui est belle aujourd'hui, c'est de voir des mouvements nous qui là depuis plus de 20 ans, les gens nous réclament. Et c'est ça qui est formidable. Alors donc, faut nous là, d'une manière ou d'une autre, faut nous là, faut vite à consigner. Mais vous, justement, qui a fait partie des précurseurs, vous êtes là depuis les débuts, vous avez participé à la progression à Zouk là. Qui regard vous apportez par rapport à Zouk actuel et au recette là passé? Parce que vous avez fait sub. Non, recette là toujours là, parce que pourquoi est toujours là, Kassav toujours là. Et mis à part Kassav, une compagnie créole, même s'il n'a pas fait Zouk là, qu'on Kassav a fait, mais tout ça bon. Ce qui veut pour répondre à bien la question, on la recette là passé, tout est bon à partir du moment que le mot Zouk en avant. Voici quoi ce que ça veut dire. À partir du moment que Zouk là, qui te joue en chinois, qui te joue en allemand, qui te joue en R&B, tout ça ça veut, mais c'est le mot Zouk. Ça veut dire que Zouk là sont musiques universelles et qui a rassemblé le monde entier. C'est ça qui est bien important. Ce n'est pas comment vous jouez. Les gens qui savent le jouer, qui ont racine là, qu'on casse, qu'on nous apprenons l'obitin. Qui fait que nous avons l'obitin là toujours. Mais Zouk là, faut inonder le monde entier, qu'on sente là de garder la chanson. Il faut inonder le monde entier. Donc, qui joue à RMB, qui joue à quelqu'un qui s'en sort là, c'est le mot Zouk que nous allons retenir. Voilà. Et quand on pense, une dernière question, on pense, on pense de. Parce que dans l'artiste qui a voyé la goût, on a le terme de Zouk rétro. On pense de ça. Donc, ça va dépendre de qui. Faut pas me rester trop péjoratif, soit. Faut pas me rester au premier degré.
parce que retrouver veut dire beaucoup de choses. Tu comprends? Mais son mot qui est plus ou moins courant, qui a sonné bien, le mot rétro, ça sonne. Voilà, le mot rétro, ça sonne bien. Ça n'est pas dit que bon, on va encore garder un rétroviseur là, c'est pas ça. Mais c'est une façon pour les gens de nous dire que bon, voilà, ben, Missy Sazot a fait 25 ans en arrière, 25 ans après, c'est ça nous invite. Qui fait que nous, on l'a qui a fait live. Il n'a pas transformé ça, il a fait ni 20 ans, mais il n'a pas rendu compte que c'est ça, c'est vous n'avez toujours. Donc, il y a ajouté un paquet de fantaisies, plein de bitères qui fait que des fois, mais ça a foiré le concert à eux parce qu'ils ont emmené des bitères qui n'ont pas été visibles. Tu vois, ça c'est mon envie, c'est ça quoi. Par exemple, par exemple l'autre est en norme, soit Jean-Michel Robert, un bébé, ou on va ça moi, ou je suis Dieu, tout ça, on veut. Faut me s'élever à chanter mon soulage, faut que des conditions de il y a 20 ans. C'est pas parce que nous sommes beaucoup plus talents, c'est un paquet de bitères en musique. Mais là, on fait concert, les origines doivent rester originaux. Ça ne peut pas empêcher vous d'évoluer en musical, d'amener d'autres bidets. Mais ça, on fait 20 ans, on va toujours jouer. Ça dit, au soir là, moi, là, on a un petit coup de clé, c'est ça. On va aller, tu dis, non, quoi à l'époque yes, voilà, mais c'est la vie. Je ne vais pas dire, on va ça, on a aimé, on a aimé. Oui, on a aimé. Bon, ok. Eh bien, vite, hein. Eh bien, nous allons frapper, hein. Nous allons faire un gros sort. Oui, on a aimé. J'espère que vous allez reconnaître ce morceau. Il date de très longtemps, mais c'est toujours un tube. Jamais aimé
Parce que ça m'a fait si vous m'avez jamais fait.
Parce que ça me fait si la vie je vous aime pour vous. C'était leur concert à eux et ils m'ont invité, donc du coup je vais chanter deux trois chansons avec eux.
Et puis bon, c'est des amis aussi, c'est des années 80, donc c'est un peu, c'est ma génération, quoi. Woody, Buston, on a travaillé pas mal, assez souvent ensemble aussi, sur ses albums, tout ça. Ouais. Lui aussi travaillait avec moi. Bien sûr, on a beaucoup parlé de toi. Moi, je suis là, je joue avec Michel Leblanc, normalement, je le groupe Diagason. On avait été joué en Guadeloupe il n'y a pas longtemps. Et là, pour l'instant, le groupe est en stand-by, donc moi, je suis là. Tranquille, quoi. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Philippe Dino revienne devant la scène ou pas? Oui, je prépare des petits trucs de chansons, mais je vais peut-être faire un truc pour l'été prochain. Ouais, concernant ce concept, est-ce que c'est une formation qui a l'habitude de fonctionner? Est-ce que vous êtes... Moi, c'est la première fois qu'ils m'invitent, donc c'est mon premier concert avec eux. Mais sinon, ouais, ils tournent généralement. Je sais qu'ils ont été aux Antilles aussi, donc voilà. Merci. Ok, merci. Au plaisir. À bientôt. Les meilleurs, s'il vous plaît. Maintenant, partez. Yeah, yeah.
Merci.
Thank you.
sont bon. Ah, on est mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je ne comprends pas comment vous faites pour moi. Comment je vais pour mes harons là, les filles, la vie. Vous pas prête? Il y a chanson. En plus, qui est où? Donc, pardon. Mesdames. La micro. La chef. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je ne comprends pas comment vous faites pour ne pas applaudir les musiciens. Bravo. La applaudit, nous, ça ne va pas, je viens applaudir. Merci. Je dis les deux en main. À travers tout le monde, allez venir à vous. Les mains. S'il vous plaît, levez la main, s'il vous plaît. Je vais voir toutes les mains en l'air. S'il vous plaît, les mains en l'air. Voilà, alors on commence. On y va. Est-ce que tu le sens? Nous jouons pour
c'est pas un batteur, mais c'est que tu penses. Là où est-ce que je peux occuper tout aussi, hein? Yeah.
c'est Robert Capou, manager du groupe Yagrasson de Michel Nerflan. Alors disons là, c'est un groupe d'amis, Dilo, Losio, Istan. Alors c'est normal que je sois là, bien sûr. Et moi je me dis quand même c'est une très belle soirée dans la mesure comme le live, il faut que ça soit présent sur la scène, dans la vue caribéenne en fait. Et moi je défends ça avec les gars et on essaie de se produire dès qu'on peut. Comme disait Rudy, bien souvent il n'y a pas effectivement beaucoup de manifestations de ce genre. Et on aimerait justement qu'il y ait plus de manifestations. Après, cela dit, si c'est un manque de moyens, ça je ne sais pas, mais bon. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être monter un collectif Je pense que ce serait peut-être aussi un collectif, oui, mais après c'est plus aussi au niveau de... peut-être aussi le genre, peut-être musical, parce que nous, les gens, ils délaissent notre musique. On a quand même un patrimoine, notre musique, c'est caribéen. Moi, sincèrement, j'ai essayé de faire passer mon groupe dans des orchestres, par exemple. Sans faire de polémique, on m'a dit non, non, les groupes antillais, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez ? Parce qu'il y a beaucoup de concerts live qui se font. Hein, des frères à côté, quoi, d'Haïti, tout ça. Mais ils ne travaillent pas avec des groupes antillais. Malheureusement, les antillais, c'est compas, compas, compas. C'est un fait. Donc pour vous, le malaise vient de là ? Le malaise vient aussi de là, je pense. Ouais. Il faudrait qu'on revienne aussi, qu'on respecte nos musiciens, qu'on revienne aussi à notre musique. Est-ce que c'est pas la nouvelle tendance qui a percé là ? Non, nouvelle tendance, je ne pense pas. Parce que moi, je suis déplorable. En tant que, par exemple, je suis aussi manager, mais aussi musicien déjà à la base. Mais moi je vois pas mal de groupes antillais qui sont, ils ont une formation bien souvent. Là ça me fait plaisir ce genre de formation parce qu'ils jouent de la musique caribéenne, bien que la musique soit universelle. Hein. Mais il faut arrêter aussi de. Il faut promotionner notre musique quoi je pense. Voilà. Et là le travail c'est. Il est toujours là. On est toujours sur le terrain. Quoi. Merci alors. Il n'y a pas de quoi. C'est un plaisir pour moi et merci encore. Bonsoir Eva. Bonsoir. Alors toi qui fais partie des précurseurs au niveau du show, qui a joué avec Gilles Fleureau et tout ça, bon, beaucoup de personnes ne te connaissent pas parce que ça fait quand même un certain nombre de temps que tu es sorti de la scène. Ça fait quand même on dirait peut-être une dizaine d'années à peu près. Une dizaine d'années, voilà. Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à la performance que tu as ce soir? Ce soir, bon, je suis très content parce que je veux dire, il y a un frère à moi, donc c'est Benny Gustan. J'aime énormément. Et aussi Frédéric et toute la clique, quoi. C'était des gens effectivement. Enfin, il y a deux parmi eux. J'avais pas vu, ça fait pas mal de temps, ça fait un moment. Philippe Thilot, certes. Les gens, je voulais voir, mais ça fait vraiment, vraiment, je voulais très longtemps. Et ça me fait très, très, très plaisir parce que c'est une formation, jeune formation, mais sincèrement, ils donnent du plaisir. Et ils se laissent écouter, ils se laissent aller. Écoute bien, les corbeaux. Et les corbeaux, sincèrement, en toute honnêteté, il a repris la musique. Chose très bien d'ailleurs. Donc effectivement je fais tout pour la musique et puis pour être retourné sur la scène. Chose qui est déjà faite, car j'ai déjà fait deux ou trois concerts avec le groupe Metro Live. Sincèrement, il y avait aussi Rudy Gustan qui est présent ce soir. Et sincèrement j'ai trouvé ça formidable en fait. Donc ça m'a redonné envie de continuer et de faire vraiment ce métier. Mais de plus belle en fait, je veux dire. Bon, vu que c'est instantané, c'est vrai que je suis un peu ému. Mais sincèrement, j'espère que bientôt, pour moi, bien sûr, ne serait-ce que seul avec le groupe, ça c'est promis. C'est une promesse que je tiens. Pour ceux qui ne se rappellent pas de qui est Hélène Corbo, c'est toi le chanteur de Celle Patrie, En Cœur en Détresse. En Cœur en Détresse, François et Tchobozouk, voilà. Avec Justin Delmont. Donc, Patrick Jan, j'ai fait pas mal de choses quand même, qui ont été bénéfiques. Surtout Celle Patrie, avec Thierry Doumergue et Point Curier. Quelqu'un que je tiens à solliciter parce que j'ai son âme, il est mort. Monsieur Jean-Louis Damer, qui était mon parolier. Et que je tiens à citer parce que il y a plein de gens qui m'ont oublié, mais moi non. Donc voilà.
moi de porter à mon suffisant de mer d'un délire. Je suis tellement pas ouais, c'est toujours pas fort comme ouais. C'est qu'un ouais qui t'a marqué d'un délire. Si ma pompe en fait des téléphones, moi j'ai déjà parti des pilotes. Oublier des amis de ouais. Thank you.
comment tu aimes la soirée ce soir? Écoute, ma foi, cette soirée, c'est une soirée qui prouve encore que le live antillais est au top et au top. Malheureusement, on n'est pas souvent invité pour des raisons, je ne sais. Mais ça prouve encore que vous avez Frédéric Clausio, vous avez Rudy Guston, vous avez aussi Philippe Dillot. Ce sont des artistes qui ont été, qui ont marqué le peuple entier. Ils sont là ce soir et je suis avec eux pour une raison que tu sais déjà. Parce que Patrice Saint-Éloi, inculquez-nous en bidet, c'est l'amour, l'amour, l'amour. On nous prie. Donc selon toi, il n'y a pas suffisamment de live dans l'Hexagone. Pardon? Selon toi, il n'y a pas suffisamment de live dans l'Hexagone. Live Zouk, voilà. Oui, bien sûr, oui. Et pour toi, quelle serait la solution pour... Eh bien, il faut voir ça avec les organisateurs qui ont du mal à payer les groupes antillais. Malheureusement, c'est toujours des chèques en blanc pour des lives en blanc. Allez, bon souci, c'est mal. Ou ça, c'est la vérité, moi, quand dit. Bonne joie, Boudou. Thank you.
venir là. Ok? Est-ce qu'elle se croirait? Faut y monter. Est-ce qu'elle se croirait? Est-ce qu'elle se croirait? Alors là, je vous dis, est-ce qu'on est de répondre? J'en ai pas plus collé. Alors je vous dis, alors ça se dit, thank you.
peine qui a gagné. Et pour toutes les fois que la voix je sais pas. Ma douce passe ma voix en moment d'aller sourire. Nous devons être morts, on va bien faire pour temps. À tout le passe en moment, oui, sourire-nous. Ici, on a. Ouais!
Thank you.